J'ai fait une dizaine d'années de sprint et après je me suis mis à la moyenne et longue distance. Ça fait 25 ans que je cours maintenant. Et ce que j'aime dans la longue distance, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans des conditions souvent difficiles avec les chiens. Donc c'est vraiment une communion avec notre équipe de chiens dans des paysages souvent magnifiques, que ce soit en Norvège ou sur la Grande Odyssée. Surtout l'effort en commun qu'on fournit sur la longue distance avec les chiens et nous. Et c'est un travail de toute l'année, évidemment, beaucoup d'entraînement, être très présent avec les chiens. Donc, c'est un mode de vie, la longue distance, c'est sûr. Écoute, en tout cas, nous on te remercie d'être ici pour être la marraine de cet événement. Tu étais déjà bien sûr présente l'année dernière. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est Donato Egli qui se passe. Il a été champion d'Europe en mi-distance, hein, ce grand rusher là qui passe. La mi-distance, contrairement à Isabelle, c'est encore plus petit. Hein. Elle fait ses 400 km, la Fenmoon. Oui, j'ai fait la Fenmoon 400, 600, la Finnmark 1000. Donc c'est vrai que pour faire 1000 km, on met 7 jours. En s'arrêtant une fois à 18h. Donc c'est vrai qu'on fait pratiquement 200 km par 24 heures. Donc fait beaucoup d'entraînement pour que les chiens soient capables de faire ça, mais avec l'entraînement ils le font bien et moi je voulais juste parler aussi de tes lignées avant qu'on lance le départ, parce que je vous en ai parlé tout le week-end des lignées de Siberianuski de travail vraiment. Tu es assez reconnu pour être un des meilleurs. En tout cas, moi j'ai vu ici et quand je suis sur les courses, à chaque fois que je vois un bon attelage de Siberianuski, on me dit c'est les chiens d'Isabelle. Donc elles viennent d'où tes lignées à toi? Moi, ça fait bientôt 30 ans que je fais de l'élevage et je travaille avec des lignées qui viennent d'Alaska, les lignées Nadir, et des lignées finlandaises qui s'appellent le Polar Speed et aussi le Vargivas, mais qui est en fait de la Nadir. Donc deux lignées réputées de personnes qui font de la longue distance et qui en font aussi du sprint depuis une cinquantaine d'années. Donc ce sont des chiens qui ont des gènes très fixés et qui sont vraiment faits pour travailler. Ouais, vraiment, c'est vrai qu'au niveau des lignées, il y a beaucoup de lignées différentes en Siberianuski. Mais si vous voulez faire de la course autant en sprint en longue distance, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir Isabelle, elle a vraiment des lignées exceptionnelles. Donc on va passer bientôt. On va y aller. Avec moi, je voudrais remercier beaucoup Christophe parce que la piste était super, un balisage absolument parfait. Moi je suis arrivée vendredi soir, on a entraîné à minuit, on connaissait pas la piste, on a fait un super entraînement, donc pour dire que c'était bien balisé, une piste magnifique, les chiens ont adoré pendant toute la durée du week-end parce qu'ils ont couru encore mieux aujourd'hui, donc pour dire que la piste leur a plu. Merci beaucoup. Nous, on était très contents de venir. Ça nous a fait très plaisir de partager ce week-end avec vous tous et de vous montrer nos chiens. Et nous, nos chiens ont pris beaucoup de plaisir à venir ici. Merci. Au nom de tous les bénévoles, au nom de tous vos collègues rocheurs et au nom de Christophe Morel, je vous offre ce bouquet pour être la marraine.